Oh Noël, Noël, Noël! Hein? La saison des parties, des cadeaux, des repas en bonne compagnie, puis des petits boires qu'on boit un petit peu plus que d'habitude. Dans cette vidéo, je te détaille trois stratégies importantes à appliquer pour ton party de Noël si tu as un chien et que tu veux que ta soirée soit un succès et non une catastrophe. Stratégie numéro 1, cache les cadeaux susceptibles d'intéresser Pitou. Rentre, rentre! Hey! Bonjour! Comment ça va? Bonsoir. Je vous ai porté un petit cadeau. C'est du foie gras lyophilisé, agrémenté de truffes du Périgord. Oh. Un produit introuvable. Mais je l'ai trouvé chez Fauchon. Oh wow, merci, c'est vraiment gentil. Joyeux Noël. Merci. Oh, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai invité celui-là. Ok. Ben, on va mettre ça ici. Voilà. Du Périgord. Ben, ça sera pour un autre fois. Stratégie numéro 2. Prépare le souper de Noël sous haute surveillance. Je suis contente de vous voir. Allez-vous-y, rentrez, rentrez. Installez-vous, là j'arrive, il faut juste que je finisse de préparer mon poulet. Stratégie numéro 3, surveille les verres d'alcool qui traînent à droite puis à gauche. Je vais très très bien, maman. J'adore les parties de Noël parce que j'aide les invités à finir leur horaire. Alors j'ai goûté des jus rouges, des jus roses, des jus blancs. Et j'ai dit, maman, ici ils sont tous bons. Ouais, ça va bien dormir à soir. Comme tu peux voir, personne n'est parfait, hein? Même moi, éducatrice canine. Tu sais, là, Noël, c'est une source de brouhaha. Alors, soyons indulgents envers nous-mêmes puis envers nos pitous. Eh bien, Griotte puis moi, on vous souhaite un merveilleux temps des fêtes, hein, mon loup? Oui! On vous souhaite de vous amuser, vous reposer, vous ressourcer, prendre du temps avec les gens que vous aimez. Prendre du temps avec vos pitous, c'est le moment de faire des choses différentes et puis de leur accorder un petit peu plus de temps. Alors, joyeux Noël, bonne année et on se retrouve l'année prochaine pour toute une année de fun avec vos pitous!